Décret de 2022-0055-PRG-CNRD-SGG portant limogeage de recadre. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les noms suivent sont limogés de leurs fonctions respectives pour des faits présumés soit de détournement de deniers publics et usage de faux en écriture publique ou de détournement de deniers publics et complicité pendant par devant la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF. 1. Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance, ANLC, Monsieur Sekou Mohamed Silla, directeur général. 2. Fonds d'appui à la promotion du gaz butane, Monsieur Moussa Diallo, directeur général. 3. Office national de la promotion de l'artisanat, Monsieur Kaba Djakité, directeur général. 4. Administration et contrôle des grands projets, Monsieur Famoudou Kourouma, administrateur général. 5. Agence guinéenne pour le financement du logement à Guifil, Monsieur Cheikh Souaré, directeur général. 6. Projet d'interconnexion électrique, Monsieur Mamadi Kakoro, directeur général. 7. Bureau guinéen du droit d'auteur, BGDA, Monsieur Abbas Bangoura, directeur général. 8. Fonds national de l'urbanisme et de l'habitat, Monsieur Aboubakar Sidiki Douno, directeur général. 9. Agence nationale de la promotion rurale et du conseil agricole, Monsieur Ali Condé, directeur général. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 24 janvier 2022, signé le colonel Mamadi Doumbouya.